Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur les 3 spots que l'on a préférés en camping-car. Numéro 3, le lac de Vouglans. Nous avons passé une nuit sur cette aire au bord du lac, juste à côté d'un grand parc avec des tables de pique-nique. Le soir, nous sommes juste allés nous promener au bord de l'eau. C'était en automne, la première fois que je découvrais ce lac. J'ai été surprise par l'environnement autour. C'est très sauvage, très peu de construction. Un repas simple, quelques jeux de société, la nuit a été très calme. Le lendemain, nous avons emprunté l'un des nombreux sentiers de randonnée autour. Des petits chemins en forêt, avec des vues incroyables sur le lac. Numéro 2, Interlaken. Nous sommes partis en Suisse cet été. À Interlaken, nous n'avons pas passé la nuit sur cette aire car nous ne l'avons trouvé trop tard. Mais nous y sommes restés la journée et c'était un spot magnifique, juste au bord de l'Arve. Il y a une petite route au bord de l'eau et à quelques mètres, un accès au funiculaire qui permet de monter au sommet.
Nous sommes redescendus à pied. Plusieurs heures de marche pour rejoindre le pied de la montagne. Une belle randonnée. À quelques mètres du camping-car, on peut aussi profiter de la piscine. Vraiment un super emplacement. Enfin, numéro 1 pour nous, le camping du Val de Bonnel. Un vrai écrin de nature. C'est la nuit que nous avons préférée cette année avec notre gros loup. Ce genre de réveil dont j'ai tellement rêvé. Il y a un petit lac juste à côté. Toutes les commodités d'un camping et une piscine très sympa. Le camping propose des navettes pour l'activité canoë-kayak sur la rivière.